deux de vos marmites et de vos casseroles. Et bah, une journée comme aujourd'hui, il faut que vous soyez là avec nous, parce qu'en fait, vous l'êtes au quotidien. Si vous travaillez en plus avec les conditions très restreintes de nourriture pour proposer à manger à nos élèves, et les efforts, on a vu de l'évolution aussi cette année, hein, avec on a plus de produits frais, il y a toujours un effort de qualité qui est fait avec des coûts qui sont restreints, et vous êtes en constante évolution sur la dimension, avec des projets déjà pour l'année prochaine aussi, d'un bar à salade, voilà, vous n'êtes pas figé dans vos pratiques sur le projet sport et santé. S'il n'y a pas le versant santé et le versant nutrition et alimentation, le projet n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes une des deux parties de ce projet. L'objectif, c'est de ramener des élèves vers la demi-pension pour parce qu'on leur propose quelque chose de meilleure qualité et à un coût qui est moindre. Et si on arrive à le faire, c'est bien, c'est tout bénéfice pour tout le monde et pour les élèves aussi. Parce que les habitudes alimentaires qu'ils prennent à cet âge-là, c'est des habitudes alimentaires qu'ils vont garder par la suite. Et s'ils ont l'habitude de manger sainement, ils mangeront sainement par la suite. En tout cas, très heureux d'être avec toi. Je pense qu'on va de nouveau travailler ensemble. Ce qui a été évoqué sur la cuisine, nourrir, on se l'a dit tout à l'heure, on en parlait tous les deux en aparté, c'est vraiment se restaurer, se faire du bien, c'est plaisir, bien-être. Santé, c'est pas notre métier, mais déjà, on a deux volets, plus du plaisir et du bien-être. Et puis, donner la chance à ces jeunes générations de comprendre pourquoi on mange, pas comment on mange. Voilà, merci de ton engagement. Je voulais vous féliciter vraiment pour le travail que vous faites, parce que je le vois, je ne dis pas rarement, mais de façon exceptionnelle quand même. Et j'étais ravi de faire la première intervention avec Madame Boxen. Et puis là, on se retrouve finalement à nouveau chez vous. Mais surtout, bravo pour ce que vous faites, parce que je le cite régulièrement auprès de certaines personnes, et c'est un exemple. Pour les jeunes, là, vous avez la chance d'avoir des enseignants, mais je dirais un peu, c'est notre job, quand on est enseignant, de transmettre des valeurs, ça c'est... Mais sachez que vous êtes vraiment des modèles. Et ça c'est important. C'est important de le savoir parce que dans l'écosystème dans lequel vous êtes aujourd'hui, les gens vont se dire « Ah si eux y arrivent, alors nous on peut y arriver aussi. » Vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses que les gens de votre âge n'ont pas forcément pris conscience. Donc ça, bravo. Parce que moi je parle de l'après souvent, vous allez tôt ou tard être confronté au monde de l'entreprise, au monde de la vraie vie. Vous allez devoir vous vendre vos compétences, vendre votre savoir. Et ce que vous allez avoir pu puiser dans ce cadre éducationnel du sport, dans ce cadre éducationnel de l'enseignement, ce sera une véritable force. Il faut prendre conscience que l'action de cuisiner est une action bien pour soi, mais c'est aussi une action citoyenne, et qu'on partage tout ça ensemble. Et pour le sport, vous pouvez compter sur Benoît, il m'en fait faire depuis quelques années, et il lâche pas. Merci. Merci.